Oh non, regardez le ventre de Casper. Dépendance au soda. Salut les copains. Remplis ça pour moi, s'il te plaît. Savez-vous quelles sont les conséquences d'une consommation excessive de boissons gazeuses comme celle de Casper? Même pas. Ce n'est pas bon du tout de boire trop de soda. Les aliments gazeux donnent l'impression d'être ballonnés et ont un effet néfaste sur nos dents. Je promets de ne plus boire de soda. Comment cela se fait-il? Lucie Pomny. Regardez ça, à l'air de jeu, il y a le spectacle « Vos enfants ont du talent ». Le spectacle de ballet de Nancy a enthousiasmé les juges. Et maintenant, accueillons Lucie. Et voici Lucie. Attendez, j'arrive. Qu'est-il arrivé à Lucie? Quel costume tout sale! Rien de spécial. Lucie Pomny n'a pas abandonné pour autant. Mais non! S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance! Non! Désolée, je suis en retard, mais je voudrais donner à Lucie une autre chance. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vais le réparer pour toi. Ce n'est pas grave, je dois partir.
Il s'avère qu'en aidant le juge Dolly, la tenue de Lucie a été tachée. Pipi, pipi. Est-ce que tu peux sauver Pipi aussi? T'inquiète pas, je vais t'en trouver un autre. Hey, hey. Tu vas refaire ton numéro? Mais voilà, notre Lucie Pomny au grand cœur a été récompensée à juste titre. Oh, c'est Noël aujourd'hui. Je me demande combien de cadeaux je vais avoir. Oh, ce Père Noël a l'air si étrange. Où est le Père Noël? Pourquoi le papa de Wolfou est-il ici? Bonjour. Jingle, jingle, jangle, je veux offrir un jouet à Wolfou pour Noël. Alors, le Père Noël était un robot? Oh non, que doit faire Papa Wolf maintenant? Wolfou, découvrons la vérité derrière le robot Père Noël. Ouvre ce coffret avec moi en prononçant la formule magique. Jingle, jingle, jangle. Jingle, jingle, jangle. Christmas comes to town, sing with my friends now. Christmas comes to town, let's wah, wah, wah! Jingle, 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 wah! Jangle, 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 wah! Jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, wah! Wow, il s'avère que le Père Noël utilise des robots pour travailler dans son usine. Il y a de plus en plus d'enfants maintenant. Je pense que nous avons besoin de plus de Père Noël. Voilà comment ça s'est passé. Moi aussi, je veux aider tout le monde. Papa! As-tu fini de distribuer les cadeaux? C'est un cadeau pour toi. Merci pour tout, papa. Pourquoi y a-t-il une soudaine coupure de courant? Oh non! Robot économiseur d'énergie. Bonjour, Docteur Cat! J'ai fini le robot économiseur d'énergie que ton père m'a demandé de faire. Il rappelle aux gens qu'il faut économiser l'électricité. Hmm.
Hé, quoi le fou? Quoi le fou? Jouez avec moi. Je reviendrai fermer le frigo plus tard. Wolfou et Lucie ouvrent le réfrigérateur, la télévision et le ventilateur, mais ne les utilisent pas. Quel gâchis! Je l'éteindrai après que j'ai fini mon dessin. Oh non, Wolfou n'a pas encore éteint les appareils électroniques. Et oh non! Oh, on dirait que le robot d'économie d'énergie est sur le point de tomber en panne. Oh non! Désolé, j'ai fait de mon mieux. Pour ne pas user le robot, souvenez-vous de bien éteindre derrière vous tout ce que vous faites d'électrique. Oui, oui. Vous souvenez-vous de ce qu'il faut faire? Le magasin d'émotions de Lucie. Maman! Maman! J'aimerais qu'il n'y ait plus de sentiments tristes dans le monde. Oh, laisse-moi te raconter. Voyons, s'il n'y a pas d'émotions tristes, à quoi ressemblerons-nous? Je voudrais acheter des émotions. Oui! Wow! Trop bien! Oh non! Hey, Wolfou, Pando est en train de souffrir. Oh, ce n'est pas bien de se moquer des autres quand ils tombent. Oui. Essayons une autre émotion. Pando, ça va? Je suis désolée. Wolfou, tu veux jouer? 3, 2, 1, c'est parti! Oh, Nancy est en train de tricher. Oh non! Je serais très en colère si quelqu'un trichait. Oui, mais essaie de contrôler ta colère. T'as triché. J'aime pas ça. J'ai compris. Calme-toi. Je suis désolée. Wow!
J'ai compris. On a besoin de toutes les sortes d'émotions. Ne nous quittez pas. Ne nous quittez pas. Eh bien, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Papa Wolf. Est-ce que tu peux décorer cette pièce? Chérie. Je suis fatiguée. Pas maintenant. Oh non! C'est moche. Oh, Wolfou n'aurait pas dû dire ça. Est-ce que tu veux partager un nouveau gâteau avec moi? Bien sûr. On n'a qu'à laisser Wolfou décorer. Lucie, où es-tu? Est-ce que tu peux m'aider? Je crois que Lucie m'en veut. Oh non, Wolfou et Papa Wolf supposent que Lucie et maman s'en vont. Allons-y. Wow, Wolfou et Papa pédalent si vite. Les voilà, chérie. Lucie. Qui ne va pas? Je suis désolée de ne pas avoir fait attention à vous. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je sais que tu ne le pensais pas. J'étais juste sortie pour un nouveau gâteau. Je n'aurais pas dû me moquer de tes fleurs. Je suis désolée. Wolfou dans une école de filles. Je peux jouer avec vous? Qu'y a-t-il d'intéressant dans une école de filles? Explorons, les amis. N'ayez pas peur. Oh, Wolfou est un véritable héros dans le cœur de chacun. C'est Wolfou, notre nouvel élève. Par ici, Wolfou! Hé, hey, c'est le siège de Wolfou! Qui peut résoudre ça? Moi. C'est correct. Faisons deux équipes. Fais équipe
avec moi. Non, il sera dans mon équipe. Oh non, qui sera dans l'équipe de Wolfo? Regardez, Wolfo joue si bien au tennis. C'est quand même mon frère. Stop! Qu'est-ce que vous faites? Et oh non! Les enfants se sont battus pour Wolfo, ce qui a provoqué la déchirure de sa chemise. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas jouer tous ensemble plutôt que de vous battre tout le temps? On est désolés! Les gars, amusons-nous et entendons-nous bien! Ne te cache pas dans une valise, Lucie. 1, 2, 3, 4. Hé, Wolfo. Madame Cam a emprunté cette valise. Elle va revenir la chercher un peu plus tard. Continuons à jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Lucie pensait, en se cachant dans une valise, qu'elle ne serait pas découverte. Ah ah, cette queue m'est très familière. Tremblement de terre. Si je trouve Lucie maintenant, c'est moi qui gagne. Oh non, Lucie s'est si bien cachée que son frère et sa sœur n'ont pas pu la trouver. Je laisse tomber, Lucie. Mais Lucie est coincée dans la valise. Tu ne devrais pas te cacher dans la valise, c'est dangereux. Voyons les conséquences qui peuvent en découler. J'ai compris. Je ne me cacherai plus jamais là-dedans. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'enseignante Kat soit si paniquée? Notre école est inondée. Quand une inondation arrive, il faut monter très haut pour être en sécurité.
Mais si l'eau commence à s'infiltrer avant qu'on puisse aller dehors... Pouvez-vous répondre pour Walfou? S'il te plaît. Oh, que va faire Walfou? Regardez, le trésor d'Alien crée de la pluie et des inondations comme dans la réalité. Aidez-nous! À l'aide! Viens ici! Mais non, la pluie a été trop forte et la salle de classe a été inondée. Oh non, Alien a éteint la pluie. Ne vous inquiétez pas, il dispose d'un bouton de marche arrière. Non! Oh non! Non! Tu vois, si tu ne peux pas grimper plus haut, tu dois courir rapidement vers un endroit sec. Tu vois ce que tu as fait en inondant toute l'école? Je suis désolée de leur avoir prêté le gadget. Maintenant, nettoyons notre école. Et n'oubliez pas, ne soyez pas méchants dans la salle de classe. S'évader de la prison des sirènes. La photo recherchée est celle de la sirène Lucie, n'est-ce pas? Ces friandises de la Terre sont si bonnes! Oh non! Jeter des déchets dans la mer est une mauvaise action, parce qu'elle cause beaucoup de dangers, Lucie! Tu es en état d'arrestation pour avoir pollué l'océan. Tu dois tout nettoyer. Regardez, il y a des déchets partout dans l'océan. C'est tellement insalubre. Pouvez-vous deviner l'intention de Lucie? Stop! Comment t'as fini ici? C'est parce que les gens jettent des choses dans les océans. Vous voyez, les déchets jetés sans discernement ne polluent pas seulement l'environnement. Ils mettent également en danger les animaux et la vie marine. On va faire attention à l'océan, on te le promet. Regardez ça! À qui appartient le chat que Walfou cherche? Le chaton perdu. N'ouvre pas la cage.
elle pourrait s'enfuir. Merci de veiller sur elle pour nous. Nous viendrons vous chercher après le voyage. Oh non, Wolfou n'a pas encore demandé la permission à son père. Petit chat, tu m'as mordu. Oh, où est le chaton? Que va faire Wolfou maintenant? Petit chat, reviens! Non! Ainsi, responsable comme toujours, Wolfou s'est habillé pour aller chercher le chaton. Mais non, le chaton est tombé dans les égouts. Petit chat, où es-tu? Wow, Wolfou propose même des appâts pour chat. Le petit chat n'est pas là. Comment je vais la trouver maintenant? Oh, les chats errants. Aidez Wolfou à trouver le chaton. Suivez maintenant Wolfou. Attends ici, je vais te sauver. Hourra! Papa! Ouvrir la cage sans permission était une très mauvaise idée. Hey. Monsieur Jaguar est un véritable passionné de la vie. Oh non! La voiture de Monsieur Jaguar a été rayée. Oh non! Qui a percuté ma voiture? Qui pourrait être le coupable? Avez-vous vu celui qui a percuté ma voiture? Ah, ma voiture bien aimée! On va vous aider à trouver qui a fait ça! Attendons de voir. Il n'y a qu'un gros monstre qui puisse faire une éraflure pareille! Il y a encore des monstres à notre époque, Pando. Non, l'éraflure est située en bas. Donc ça doit être quelqu'un ou quelque chose qui est petit. Et on dirait qu'il y a de la peinture bleue. Eh bien, Kat l'a analysé en détail. Regardez ça, c'est une trace de pneu. Les amis! Quoi? C'est la voiture de police de Wolfou? Ce n'est pas ta petite voiture? Wolfou ne comprend toujours pas pourquoi. Il s'avère que Wolfou avait fermé les yeux lorsque les deux voitures se sont touchées. Je peux pas croire que c'est moi le coupable. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès.
Ce n'est pas grave, mais tu devrais faire plus attention la prochaine fois. Vous en souvenez-vous? Wolfou aide Lucie à faire ses valises pour préparer le prochain voyage de la famille. Mais oh non! Wolfou! Oh non, nous avons oublié Lucie à la maison. Hey! Wolfou! On s'en fiche de moi, je veux plus y aller. Lucie, je suis désolée. Sa famille ne savait toujours pas que Lucie était sortie de la voiture. Qu'est-ce que cela va faire d'être seule à la maison? Lucie est-elle en danger? Wolfou est toujours coupable d'avoir endommagé la valise de Lucie. Alors maintenant, il essaye par tous les moyens de réconforter sa sœur. Maman, papa, je vois plus Lucie nulle part. Peut-être que Lucie est descendue de voiture. Il faut vite revenir. À cette époque, Lucie pensait encore que sans elle, ses parents et son frère pouvaient encore s'amuser. C'est bien que Lucie soit pas là. Il y a plus à manger maintenant. Lucie a tellement peur des cafards. Il n'y a personne à la maison. Que doit faire Lucie? Oh non! Lucie, ne reste pas toute seule à la maison juste parce que tu es fâchée avec Wolfou. C'est très dangereux. Arrêtez! Le tyran. Buffo s'amuse tellement en jouant. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ce que tu as fait. T'as qu'à l'enlever, c'est pas grave. Vous voyez, enlever la vase n'est pas aussi facile que le pense Buffo. Wolfou et Pando aideront-ils Kat? On va le faire payer à Buffo. Oh, un goût de votre propre médecine. Maintenant, Buffo a aussi des problèmes avec sa bave.
En outre, il a été victime de brimades de la part de son frère aîné. Arrêtez! Ça suffit! Embête pas mes amis! Hé, hey, qu'est-ce que tu crois faire? Laissez-moi partir! Lâchez-moi! Tu n'embêteras plus jamais personne! Je suis désolé. N'oubliez pas de ne jamais intimider les autres, les enfants. Je suis désolé. Kat, je vais me rattraper. Tu peux me pardonner? Et aider tous ceux qui vous entourent. Wolfou a l'air si heureux. Mais le docteur F n'est pas... Je déteste le réveillon du Nouvel An! L'étrange réveillon du Nouvel An. Qui est arrivé si tard? Attendez, quelque chose ne va pas avec ma Maman Wolf. Oh non, c'est la même chose avec Papa Wolf et Lucie. Heureusement, Wolfou n'a pas inhalé ce gaz. Mais maintenant, dans la maison, seul Wolfou est réveillé. Notre brave Wolfou était donc déterminé à découvrir la vérité. Il s'avère qu'il s'agissait d'un cadeau du Dr. Ref. Que veut-il faire? Je vais détruire votre réveillon! Voyons ce que Wolfou va faire maintenant. Wow, Wolfou a l'agilité d'un espion. Et à la fin, Wolfou a réussi. C'était une nuit de Noël orageuse, mais pleine de joie. Travailler en équipe. Viens vite ici. On va discuter d'un plan pour battre ce robot. Pas besoin. Je peux gérer tout seul. Wolfou est tellement sûr de lui. Allons-y. Laissez-moi faire. Oh, le tir de Wolfou était raté. Ha ha ha!
Oh non, il y a beaucoup de problèmes. L'équipe de Wolfou a perdu son avantage. La mission est un échec. C'est ta faute, Wolfou. Calmez-vous, les enfants. Wolfou voulait juste gagner. Mais Wolfou, il y a des missions qui demandent du travail d'équipe pour être remportées. Je suis désolée, les amis. On peut rejouer ? Grâce à la solidarité, Wolfou et ses amis parviendront-ils à vaincre les robots ? Lance ton bouclier pour le briser. L'union fait la force. Célébrons la victoire. Les triplés du chat. Wolfou, il est temps pour le chat de manger aussi. Oh non, le chat se noie dans la nourriture. L'attrait de la nourriture est si grand. Tu as trop mangé. Aïe, il y a quelque chose d'étrange. Waouh, ce sont trois petits chats super mignons. Les chats enceintes ont tendance à beaucoup manger. Prends bien soin d'elles. Oh non, les bébés arrivent. Bienvenue aux trois chatons dans la famille Wolfou. Bain rose contre bain bleu. Bonjour. Coucou. Pando et moi devons partir un peu. Pouvez-vous vous occuper de lui ? On peut le faire. Au revoir. Oh, Jenny et Pandolar rampent dehors. Oh non! Les gars, regardez ça. Un bain bleu et un bain rose. Notre cousin n'a pas encore été nettoyé. On n'a qu'à prendre ça. Oh non, Wolfou va utiliser du shampoing et du gel douche pour adultes sur Pandolar. Le gel douche normal n'est pas bon pour les bébés. Il est très fort. Ce qui n'est pas bon pour la peau de bébé. Voyons voir. Que peut-il arriver à Jenny et Pandolar maintenant ? Tom,
Si vous l'utilisez, sa peau va le gratter. Il faut utiliser le gel douche pour les bébés. Oh, Wolfou doit être hospitalisé. Que font Mira et Miri? Seul à l'hôpital. Cible en vue. On suit le plan. Over. Ok, over. Wow. Pango a ouvert le combat. Wolfou doit changer de tactique. Eh bien, cela vaut la peine d'essayer. Stop! Arrêtez le jeu! Wolfou! Oh non! Oh! Notre équipe avait presque gagné! En ce moment, sous terre, les amis sont très inquiets pour Wolfou. Je veux rendre visite à Wolfou! On ne peut pas monter là-haut tout seul! Quelle est l'idée de Miri? Molly peut nous aider. Appelons-la. Salut, salut. Suis-moi. Que compte faire Miri à la fin? Ok, over. C'est tellement bien. Molly les a fait remonter à la surface. Coucou, surprise. Je vous adore. Oh, la maman Pikachu est sur le point d'accoucher. Et dont la maman Pikachu enceinte. On s'ennuie. Eh bien, quelles sont les idées intéressantes des parents de Wolfou? Et les enfants? Est-ce que vous voulez jouer avec nous? Ne vous inquiétez pas, l'ambulance est en route. Oh non! C'est très dangereux. Que doivent faire les femmes enceintes pour arriver à temps à l'hôpital?
toi, tu vas battre le monstre. Oh. Moi, je prends soin de Maman Pikachu. Les choses ne se passent pas bien du tout. Wolfou a-t-il un moyen de faire face à cette situation? Wolfou ne nous a pas déçus. Un design vraiment créatif. Merci. Maman. Viens, viens. C'est fait. C'est surprenant de voir à quel point le jeu du loup est amusant. Invitez vos parents à essayer ce jeu.